Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis posé comme d'habitude, aujourd'hui je suis posé une fois de plus avec Charles. Comment vas-tu Charles? Ça va très très bien, pour l'instant ça va très bien. Pour l'instant, en effet Charles, tu as raison de le noter. Nous allons aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Vendredi des Vrais faire un combat. Nous allons essayer de regarder nos pires anciennes vidéos, c'est-à-dire que chacun nous avons fait les sharks sur la chaîne de l'autre. Essayer de trouver les vidéos assez insolites et gênantes de Charles sur sa chaîne et même sur ses plusieurs chaînes. Et Charles a fait la même chose sur moi. Moi perso je suis pas bien parce que je sais que j'ai fait énormément de daubes au début de ma chaîne. Exactement. Et je pense que vous allez vous régaler. Et Charles, juste avant, quand j'avais une petite question à te poser, c'était est-ce que tu as bien dormi lorsque je t'ai dérangé? Ah oui, puisque j'ai dormi dans cette taverne. Hugo a une petite caméra qui permet aussi de parler. Donc pendant que je dors, il communique avec moi, il me réveille. Mais ça va. D'ailleurs, petit flashback. Ouais, mon Charles, ça va? Alors, c'est quoi les bails là? Tu vas te coucher ou? J'ai vu un truc sur Twitter. Votre Triple X n'était pas mort. Hein. Oh là, attendez, attendez, il est l'heure d'aller se coucher, mon Charlie. Quel Dors bien, comme ça tu seras en forme pour la vidéo de demain. Pour ceux qui connaissent pas Charles en tant que youtubeur, Charles a aujourd'hui la plus grosse chaîne de cuisine en France. C'est des recettes en même temps loufoques. Il y a tout. Tout ce que vous connaissez, Big Mac, Oreo, tout ça, il l'a fait. Et même en XXL, ça, en XXL, on aime bien. Mais aussi fait des voyages dans lesquels il va découvrir la culture gastronomique des autres pays. Charles fait des vidéos depuis 2012, donc il y a beaucoup de perles sur sa chaîne. Bref, Charles, tu es prêt à vivre ça? Moi, je ne suis pas prêt. Ça va être un combat. On va faire une vidéo chacun de l'autre qu'on va présenter. C'est parti pour la vidéo de la honte. Presidential with the planes too. Went better get you with the residential. Undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you. Pour une vidéo, je pense qu'elle aurait pu faire très 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 polémique actuellement. C'est pour ça que je vais vous la présenter. Et je vais venir ensuite poudrer avec une poudre. Mais putain, mais j'arrive pas à faire. Mais non, c'est comment? Mais comment? Et je vois dans ses notes. Non, c'est pas vrai. Dites-nous dans les commentaires. Mais non, gros, hein, mais non. Bon déjà, en vrai c'est toi, violet face. Qu'est-ce que c'est le violet face? Je vous explique. En fait cette vidéo là, on était parti aller sonner avec Cédric pour Halloween. Et au tout début j'ai fait une petite intro, c'est un petit peu scénarisé, où je regarde une vidéo d'Enjoy Phoenix qui fait un masque justement violet. Je vais me retourner en ayant essayé le tuto, c'est dégueulasse. Perfect. Bon maintenant attention, t'es prêt à te prendre un masque dans la gueule? Attention en 3, 2, 1, go. Oh non. C'est sa vidéo spéciale 500. Merci pas beaucoup pour la vidéo des 500 abonnés. Je vais te présenter un de mes potes, Lucas. Ouais, donc voilà Lucas. Ici se trouve Lucas, qui est l'ancien colocataire de Charles. Et en fait, ce qui est drôle, c'est quand on le connaît aujourd'hui. Je vous mets une photo de Lucas aujourd'hui, Lucas avant. Ouais. Lucas. Mais il a pas. Ouais. Parce qu'à l'époque, on avait un délire en cours, on était un petit peu particulier. On faisait beaucoup de cris, de ouais, de hi. Mais c'est pas du cocasse, hein. Eh oui, c'est une bière. Et aujourd'hui, pour la vidéo spéciale 500 abonnés, nous allons vous montrer comment boire et on est à bière partout. Bravo, bravo, ah bravo. T'as quel âge sur cette vidéo? 18 ans, bon j'y vais. T'as 18 ans j'espère. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'en abusez pas. Alors juste avant, on a parlé de Cédric. Là quand même, vous avez fait un jeu particulier. Moi personnellement... C'était l'époque des essais de parier, on avait fait un essai de parier avec de l'eau. Mais c'est pas ça le pire. Oh la merde. C'est que toi, tu as bien aimé ce jeu là, à tel point, au bout d'un moment, tu t'es dit vas-y, je vais faire un peu plus de vues. Bon, c'est parti. Nickel. Mais papa, mais je clash quand même mal. Ah, je m'en rappelle pas regarder cette vidéo. Mais mec, j'étais jeune. Regardez l'eau que j'ai sur moi, mec. Tu as fait une vidéo en 2017 qui s'appelle le premier fast-food de Los Angeles. Donc il en plus il est avec Aikidu. Grosse dédicace à toi Aikidu. On te fait plein de bisous. Charles, regardez, là il est tout bien, il est tout sec. On est avec Nabil, ça va Nabil? Nabil. Y'a vous comment t'as dit dédicace Nabil. Il va commencer à manger le fast-food. Regardez Charles. C'est bon, c'est violent. Ah non mec. Là il a chaud un petit peu, mais ça va. Mais alors là, quand tu vas après qu'ils aient mangé, regardez comment il transpire mec. Pire qu'à la salle. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a pas pu tourner à l'extérieur parce qu'il y avait une alarme pendant 5 heures. Donc du coup on allait dans la voiture qui était en plein soleil, il faisait 45 degrés et j'ai goûté un burger au piment et franchement le truc m'a fait suer. Du coup j'ai la meilleure intro d'Hugo. Tu vas nous expliquer ce que tu as essayé d'imiter. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pourquoi? Gros, mais qu'est-ce que j'ai fait? On peut avoir une explication? En fait, je pense que j'ai dû me dire, tu sais quoi? J'en ai marre de faire la même intro, donc on va essayer de mettre de la créativité dedans. Et j'ai fait cette merde. Et d'ailleurs, ça peut devenir un nouveau sound effect. Un homme qui est en train de couler, par exemple. Il y a un dernier... Non, arrête! Un dernier petit... Oh, je vais t'annuler après. Dis, je suis Claire et je vais fermer ma chaîne YouTube. What the... Ouais, bon, ça va. Donc là, il y avait deux choix possibles. What the fuck et passer à la suite ou continuer. Et Hugo a su rebondir. Non, je n'approuve pas ce message. Oh là, le violet face, une moustache, bon, c'est un peu borderline. Non, mais gros, c'est une vidéo question défi dans laquelle j'ai fait ça. Allez, je vais faire mes points. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que toutes les vidéos spéciales X abonnés de Charles. Non. Mais 25 000 abonnés, et je ne vois pas. Ici, on a trouvé cette vidéo spéciale 25 000 abonnés. Bah, il arrive avec ses potes, il va aller au KFC. Bonjour, vous écoutez bien ce qu'on veut. Allez, c'est parti.
Moi, quand je vais au KFC, je prends un bucket épicé. Les goûts sont des faux mâles, les paroles sont nulles. Cœur de ce poulet. Ouais. En plus, ce qui était énorme, c'est que les personnes à l'intérieur étaient mortes de rire. Vu que Charles, avant, a montré plusieurs trucs sur moi, on va continuer parce que j'ai pas fini. Vous voulez voir Charles gratter des allocations à la CAF, leur meilleur partenariat au monde. Le gars, il a mis le lien du site de son partenaire dans le titre de la vidéo. Des allocations, désolé pour ça. J'étais au lycée hôtelier. Bravo. C'était la tenue réglementaire pour aller en salle. Perfect. Vous êtes prêts? Ça, franchement, c'est le pire. Et cette vidéo a déjà été plusieurs fois en privé. Après, je lui dis, allez hop, je la remets en public. Cette vidéo s'appelle un podcast presque parfait, la cuisine. Tu veux une omelette? Comment je kiffe trop les cuisiniers, quoi. C'est abusé. Bah c'était ton dernier podcast. Premier et dernier. Allez, au revoir, on passe à la suite. Vidéo très spéciale, ça promet. Commence un petit tour. Sur ma bouche. Mais ça va. Regardez bien. Tu fais un clin d'œil, mec, à la caméra. J'ai fait un clin d'œil. Non, mais non. Allez, à mon tour. Ah putain, il a les 10 000 abonnés. Pull my heart out of my chest. Charles! Quoi? Charles, qu'est-ce que t'as fait? Oh mec, j'ai envie de te claquer! Pull my heart out of my chest. Train my mind so I'll forget. Sink your teeth into my bones. That is a window to my soul. Come and get it. Évidemment, comme vous l'avez dit au début de la vidéo, on a vraiment choisi nos pires vidéos. Tout cela n'est ni représentatif de tout ce que Charles a créé jusqu'à maintenant, et ni représentatif de ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Quand même, hein. Ça, c'est une bonne vidéo. C'est un très très bon souvenir. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Exactement. C'était à Los Angeles en 2015. 2015, ça fait 3 ans. On a fait une vidéo sur la chaîne du groupe, je vais vous montrer. Et il y a une scène que je trouve très très drôle. En vrai, c'est moi qui va prendre cher. Les gens, ils... Regarde, il est content. Fais-en un, hein, pour vous montrer. Arrête. On allait jouer dans un magasin où il y avait plein de jeux d'arcade et on a testé un jeu d'horreur. Regardez bien ce qui va se passer. Oh, je me fais flipper. Tu sais, on dirait le rire des petites filles dans les films genre Insidious et tout, mec. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Charles a eu une chaîne en anglais. Là, mec, tu vas trop loin. Je préfère te prévenir. Voilà, y'a pas la limite sur la chaîne, c'est vrai, hein. Cette chaîne s'appelle Flavor Heist. Ça veut dire le braqueur de saveur. Intelligent. Il y avait un bon concept. Oh, attendez. 200 000 vues, j'ai fait. J'aurais dû continuer. Hi, everybody. Today, we are going to make the most famous burger from McDonald's. C'est un petit bouton fier. Ah, tranquille, au calme. Bon, bah, génial, hein. T'es toujours là pour me rappeler des bons souvenirs. The burger is perfect. Mec, ton bouton il a grandi. Perfect. On va parler du style d'Hugo Posé. Et on va parler de ton style à Paris Games Week 2013. Hugo avait 14 ans. Donc re tout le monde, alors là on est devant le stand Coca-Cola Zero en compagnie de Multigaming. Salut. Salut Sunrise, salut tout le monde. Hugo, tu portes une doudoune. De quoi? Sans manches ouvertes. Mais arrête. Avec une chemise. Mais non, c'est très bien, je suis pas d'accord. Ok, prochaine vidéo, moi je veux voir Hugo en doudoune avec une chemise. Ok, très bien, nickel. Parfait. Je le fais. D'ailleurs, petit aparté pour tous les gens qui sont très jeunes et qui font des vidéos, soyez discrets sur internet quand vous êtes jeune. Moi, je me rappelle, en tout cas, j'ai commencé, j'avais quoi, 11 ans. Et à l'époque, je ne donnais pas mon prénom, je ne montrais pas mon visage, j'étais très discret. Donc si vos parents sont ok que vous fassiez des vidéos, faites attention à ce que vous mettez sur internet parce que ça y restera à vie. Perfect. C'est une vidéo où Charles montre son intro parce que oui, en 2012-2013, c'était la classe d'avoir une intro. Donc dès que tu commençais tes vidéos, t'avais ce genre de truc. Yeah, hey. Ah, j'étais trop content, je me rappelle. Regardez ce qu'il y a à faire comme bruit, ça me tue. J'espère. Maintenant, je le dis pour tout le reste de la vidéo, je vais remplacer tous les sensors bip du montage par ça. C'est quoi ça? Chubby Bunny. Voilà, attendez. Voilà, je ne l'ai pas vu pendant ma recherche, celle-là. Chubby Bunny. Charles a fait en 2013, le truc que beaucoup de youtubeurs et beaucoup de gens ont fait sur internet. Le Harlem Shake, sauf que son Harlem Shake est différent. Déjà, mec, à quel moment tu t'es dit je vais porter un costume d'un œuf qui est en train d'éclore? Je sais pas. Ah frérot, mec, faut vraiment que tu t'arrêtes, mec, hein. Quand j'ai tourné cette vidéo, ouais, je me suis baladé en poussin dans la course rue et au supermarché, ah ouais, et j'ai des vidéos exclusives sur mon téléphone. Nickel. Papa. Salut, je vous présente mon frère, c'est mon jumeau. Déjà, on notera ce titre magnifique. Tu peux le lire, Hugo? La taille de mon zizi. Dans cette vidéo, j'ai pas mal de choses. Bon, c'est sur I'm a banana. I'm a banana, I'm a banana. Qu'est-ce que j'ai branlé, mec? Toi, t'avais un problème, hein. Lâche la vitre.
Lèche la vitre. Ok. Et tu as léché une vitre. Bon, moi, si ça paraît normal, bah, très bien. Léchons tous des vitres. La recette de la poutine. C'est un plat québécois. Grosse dédicace à tous les Québécois, je vous fais plein de bisous. Après avoir goûté une poutine comme ça, j'avais juste envie de dire tabernacle. Qu'est-ce que c'est bon, des frites croustillantes comme ça. Je crois que j'ai 2610 likes, c'est 2600 Québécois. Franchement, vous avez raison, mais à la base, c'était une dédicace parce que j'adore tout ce qui est les têtes à claques, les accents. Et donc, j'étais convaincu que je savais faire quelque chose. Et pour terminer, j'ai une dernière vidéo où il y a des trucs. On t'a vu lécher une vitre, on trouvait ça normal. Peut-être que c'est normal pour Hugo puisqu'il lèche d'autres trucs. Lèche ma bouche. C'était dégueulasse! Et l'hygiène! Voilà, qu'est-ce que tu racontes toi là? Il est propre mon chien! Ah non, si alors on peut lécher les animaux parce qu'apparemment non. Ils sont non, propres! Non, non, non! Tout va bien! Tu sais quoi? En musique d'outro, on va mettre Charles qui chante pour ses spéciales 25 000 euros! Oh non! Qu'est-ce que tu en dis? Ça va être la nouvelle musique d'outro! C'est la double peine, non! Et tu seras aussi d'ailleurs obligé de mettre ça dans la musique d'outro de ta prochaine vidéo. Vous pourrez aller voir la chaîne de Charles pour vérifier s'il l'a fait ou pas. On est d'accord? Allez, on est d'accord. Bon écoutez, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et dites-nous dans les commentaires de cette vidéo qui a gagné. Parce que si on est partagé, on fera un deuxième épisode. Donc on attend vos réactions dans les commentaires. Je viens de penser à un truc. Quoi? T'es pas allé voir mon Skyblog? Ah enculé. Ça pour la prochaine. Yes, il a oublié. Fuck. Si vous en avez envie, bah n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à aller partager cette vidéo avec vos potes en leur disant que... Regardez comment il était avant Hugo. Et regarde Fast Good. Bon, c'est n'importe quoi. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Charles qui sera dans la description de la vidéo. Premier youtubeur cuisine de France, franchement, moi rose. Bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge, vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. On vous prépare de putain de trucs pour les prochaines vidéos. Oui. Et puis voilà, on espère une fois de plus que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye. Moi, quand je vais au KFC, je prends un bucket épicé. Suite à la douceur de ce poulet.